20% des élèves aujourd'hui qui sont en difficulté scolaire dès leur entrée dans l'institution scolaire jusqu'à leur sortie de l'institution scolaire. 30%, c'est-à-dire 1 sur 3 quasiment. Parmi ces élèves-là, vous le savez, ce sont ceux qui sont pour la majorité d'entre eux issus des quartiers populaires. Donc, ce n'est pas un scoop. En France, la France est le pays dans lequel il y a la corrélation la plus directe entre l'appartenance sociale, hein, le fameux destin au berceau dont parle Camille Peny, c'est une expression que j'aime beaucoup. Donc, un lien direct, une corrélation directe entre le destin au berceau et la réussite, on reviendra sur ce terme-là, en tout cas l'obtention d'un diplôme et la difficulté scolaire. Donc, pour le résumer, on a un pays qui réussit à très bien faire réussir les bons, c'est-à-dire qu'il les emmène très loin, hein, et sans doute dans l'OCDE, l'un de ceux qui les emmène le plus loin. Donc, de ce point de vue-là, c'est pour ça aussi que les discours élitistes sont extrêmement dans l'auto-glorification, hein, puisque comme évidemment il y a une reproduction des élites, que toutes les élites vont très loin, que le pays réussit à les amener très loin, ben, au moins on a vraiment le sentiment que le système fonctionne très bien. Donc, on a un pays qui réussit à vraiment aller très très loin les très bons, et on a un pays qui ne réussit pas à faire décoller et qui est même parmi les moins bien classés de l'OCDE à faire décoller les enfants des milieux populaires.